Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est je vous montre ma bibliothèque. Donc ce qui a changé en livres, etc. Là, on est le jeudi 2, donc c'est à Chandler. Et du coup j'ai fait des crêpes et regardez, il m'a réussi à laver. Du coup je vais d'abord manger et après on se retrouve pour... le sujet de la vidéo, mais je voulais ça, c'est des crêpes sel sucrées et là les crêpes salées. Faut savoir pour les crêpes salées, les champignons étaient en promotion, le jambon aussi. J'ai payé juste le gruyère, mais bon, même le beurre était en promotion. Du coup, en gros, c'est que j'ai chauffé la poêle en premier. Enfin, j'ai chauffé la poêle, donc j'ai allumé le feu. Et après, j'ai commencé à faire la préparation, genre la pâte à crêpes. Et après, la poêle était chaude, j'ai fait ma fournée de crêpes. J'ai tout mis d'un côté. Et après, j'ai préparé les crêpes salées, donc j'ai pris les crêpes sucrées pour en faire des salées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que on va ouvrir pour vous montrer. Donc normalement c'est comme ça. J'ai mis la crêpe, le jambon, le fromage et les champignons. Et après j'ai pris du Nutella, d'habitude j'en prends pas. Je prends de la confiture, mais là pour changer j'avais envie de Nutella. Il faut savoir que je peux tout manger parce que ça en fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Donc voilà. Du coup, on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Donc, du coup, on se retrouve pour la suite. C'est la partie 3 de je vous montre la bibliothèque. J'ai fait une partie 1 et 2. Je pense l'an dernier et l'année 2. Donc, là-haut, ça a changé. Ça, c'est un calendrier journalier Harry Potter. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je montre tous les jours sur Instagram. Ensuite, il y a la coupe des 18. Et le calendrier annuel. C'est plutôt mensuel. Là-haut, il y a les pop. Là, j'ai mis les livres collection Harry Potter. Donc dedans, vous pouvez trouver certaines parts, l'introduction. Donc, en gros, c'est explique. Et il y a la carte de Poudlard. Ensuite, à la fin, vous avez la salle commune des Serpenteurs. En gros, vous avez le livre est dédié en fonction de la maison. J'ai déjà le Serpenteur. Après, je voulais faire deux Poussoufles, deux Gryffondor. Et normalement de Sabre d'Aigle, parce que normalement je sais pas, comme dans les films il y a deux DVD, sauf que là il n'y a qu'un livre, on verra. Là il y a la baguette de Severus et la d'Harry, et là on a les livres. J'ai vendu des livres comparé à l'an dernier, donc de là à là c'est Lisa Garner. Dans les nouveautés, il y a celui-là, le saut de l'ange. Donc, c'est lui noire et pluvieuse de le New Hampshire. Au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. Nicole, qui conduisait, ne se souvient de rien, sauf d'une chose, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé.
qui croire que c'est réel, que c'est-il réellement passé cette nuit-là. La nouvelle enquête du brigadier Wyatt Foster de l'inspectrice Tessa Léonie impose une nouvelle fois de plus l'idée Garner. Grand prix des lectrices de Elle pour la maison d'à côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. Donc là, je vais enlever un petit bout de papier. Ailleurs un petit bout de papier derrière. Ensuite, on a Lumière Noire, pareil, de Lisa Garneau. Donc, c'est 472 jours, c'est le temps qu'a passé Flora en main de son bourreau. 472, on va recommencer. 472 jours plongés dans un abîme de ténèbres. N'espérait qu'une chose, survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à trouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quant à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. Le commandant des DEV Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston et qu'il s'assurera cette fois de ne jamais laisser Flora revoir la lumière. S'ils sont encore dans ma bibliothèque, c'est qu'ils m'ont plu un minimum. Donc, lui, c'est Dargensman. Je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos. Là, c'est tous les Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit. Les animaux fantastiques. Le Quidditch. Les contes de Peter Lorban, le guide de survie de Ben Ashwetes et les trois romans, vous les voyez très bien, des 100. Ils sont là. Ensuite, on a l'escalade. Je ne sais pas s'il est sorti cette année. Question, c'est quand est-ce que j'ai lu? En gros, c'est haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, des longues griffes acérées, telles des larmes, l'escalade arrive. Donc, c'est par l'autrice de Harry Potter. Donc, on a toujours un sorcier noir, c'est éternel. Au-delà de la lumière, le troisième exode, les royaumes du nord qui sont les nouveautés. C'est à la croisée des mondes. J'avais beaucoup mis de côté parce que je pensais qu'il ne serait pas intéressant. Et surprise, il était bien. La jeune Lyra connaissait bien les érudits et les hommes qu'il avait entourés toute sa vie. Il avait fait son éducation, il l'avait puni ou consolé, et c'était sa seule famille. Peut-être aurait pu les considérer comme sa vraie famille si elle avait su que c'était une famille. Voilà. Élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, elle est accompagnée de son démon, Pantin Limon. Passer ses journées à courir dans les rues d'Oxford à la recherche d'éperdus d'aventures. Cette vie insouciante prend fin. Pourtant, lorsqu'elle est confiée à Madame Coulter, au moment où Roger, son meilleur ami, disparaît, victime de ses ravisseurs d'enfants, qui opèrent dans tout le pays, mais la sait jouer aux petites filles modèles et intriguée par la poussière, une extraordinaire particule qui suscite effroi et convoitise, Lyra s'enfuit et entame un grand moyen vers le nord périlleux et exaltant qui lui apportera la révélation de ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Donc voilà pour celui-là. Donc là, c'est la grosse démon 2. C'est la...
Pour des anges. Oups. Le jeune Will, par la recherche de son père disparu depuis des années, croit avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit la brèche qui lui permet de passer dans le monde parallèle, là à Citagas, la ville au-delà de l'aurore. Il rencontre Lyra et donne. Jeunes enfants devront lutter contre les forces obscures du mal pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des anges. Donc là, du coup, on va passer aux... Donc là, on a Trill 1, on a Trill 2. Donc, depuis que Wendy a appris à avoir été changée à la naissance, rien ne va plus. Plus elle en découvre sur sa famille et son entourage, plus Wendy prend conscience qu'elle a beaucoup de points communs avec ses prétendus Amy. Et ces derniers sont prêts à tout, Clarus, pour leur tirer dans leur camp. La guerre entre les Trills et les Vitra est sur le point d'éclater. La jeune fille, le seul espoir de sauver les siens et de maîtriser ses pouvoirs et d'épouser un membre de famille royale. Déchirée entre amour et devoir, Wendy décide seule de son sort et du destin qu'elle aime. Il faut savoir que dans les Trills, c'est sa mère la chef, et dans les Vitra, c'est son père le chef. C'est pour ça qu'elle est partagée entre les deux. Il y a celle qui a tous les dons, j'en avais parlé aussi. La fille d'avant, pareil. Avant d'aller dormir aussi, le cri, pareil. Cette lettre, pareil. L'île du crâne. C'est un livre. Je crois qu'il est sorti après Harry Potter ou avant, c'était une histoire comme ça. Et je voulais le prendre pour savoir s'il était intéressant. David et l'autre viennent d'être renvoyés du... Donc, ils viennent d'être renvoyés du collège et cette fois-ci, ses parents ont décidé de sévir. Ils se retrouvent alors dans une école bien étrange sur la sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre. Très vite, ils soupçonnent le pire, mais encore, il est très loin de la vérité. Donc, on passe à un autre. Il y a le noir et ma couleur. Je vous en avais déjà parlé. Donc, on va relever. Un assassin est parmi nous. Le Mitchell Ainsley est un hôtel de charme élégant, encerclé par la forêt isolée dans les Catskills. À des kilomètres de tout, il n'y a ni téléphone ni internet, juste le calme des arbres autour, la neige et les montagnes. Ceux qui viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de répit ou de dépaysement jusqu'à qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier, puis un deuxième cadavre le jour suivant. Ils comprennent qu'ils sont totalement du monde et que l'assassin est parmi eux. Donc, venons. Ensuite, on a la pierre du remords. Une vieille femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, elle découvre le numéro de téléphone de Conrad. Un ancien policier, elle l'avait récemment contacté en le suppliant de retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné à la naissance 50 ans plus tôt. Accablé de remords pour l'avoir refusé son aide, Conrad va s'employer à réparer son erreur. Alors qu'il enquête, se dessine un peu plus l'ampleur d'une tragédie insoupçonnée. Ensuite,
suis en train de tous les racheter. Ça prend du temps. Mais je refais les détectives Conan. D'ailleurs, celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Le 100e. Il y a le 101 qui va bientôt sortir. Et ils sont encore en tournage. Enfin, un tournage façon de parler, vu que c'est des mangas, mais il faut faire les voix, vu que c'est des mangas. Et il faut faire tout ce qui est montage, du coup. Et pour vous montrer, en gros, là, c'est des enquêtes. Enfin, il y a des meurtres à chaque début. Et après, il y a des enquêtes. Et c'est lui qui doit le résoudre. Mais en faisant parler son oncle, parce que là, comme là, il dort. Tout ça parce que en gros, il est nul en déduction. Et lui, normalement, c'est un lycéen, mais qu'il y a des méchants qui l'ont fait rétrécir avec une gélule. Donc au final, il doit passer incognito jusqu'à découvrir. Qui sont ces hommes et trouver le remède pour redevenir ado. Donc en bas, on a le labyrinthe et tout ce qui suit. En haut, on a encore les poupes. Là, on a toujours Underworld Chronicle. On va tourner la caméra. Oups. Belle. J'ai plus accès sur la noire. Du coup, on a le vert de la vingtaine. Et là, on va faire une rapide. Là, c'est toutes les romances. Donc, pour les romances, on va dire jusqu'à là. En gros, c'est dans la vidéo de 2021 et le reste dans la vidéo de 2022. Donc vous tapez romance de Noël sur mon profil et voilà. Là on a le magnat à la pointe avec les trois pop. Là on a tous les acteurs 59 degrés 365 jours. J'ai zappé cette partie-là parce qu'il y a un peu plus d'explications. Et en bas, vous avez les livres à lire encore. Et du coup, dans les livres à lire, vous verrez dans la vidéo Bibliothèque 4. Et vous verrez sûrement des livres qui ne seront plus dans ma bibliothèque. Parce que j'attendais de faire cette vidéo avant de les vendre. Donc, d'ailleurs, j'ai acheté ça. En gros, c'est. On écrit, genre le titre du livre, qui est l'auteur, qui est l'éditeur, le genre de livre. Donc, si c'est une romance, un thriller, un policier. Pas un manga. Je l'ai emprunté à qui? Moi j'aime pas emprunter parce que je préfère garder ou acheter par ou offert par. Commencez-le, terminez-le. On marque le résumé, on marque son avis. Après, c'est mes avis postés sur Instagram. Je l'ai mis à 4 sur 5. Là, je suis en train de lire Le Noir et ma couleur. Mais le 2, parce que le 1, il est dans ma bibliothèque. Donc, ensuite, on passe à là qui met le plus de temps. Donc, techniquement, je ne sais pas si celui-là, ça me vaut. Ouais, en gros, c'est un escape game de Sony Neo. Ensuite, vous avez le journal de deux youtubeurs.
avec la biographie de James Earl, d'une enseignante. L'autre, une biographie. Et on a celui-là qui est nouveau. C'est le survivant des réseaux sociaux. Donc on voit qu'il est très bien morflé et du coup ça a touché son couple. Et j'ai lu le livre de Nolu Lito. Disons que ceux-là, c'est ceux qui m'ont plus touché, parce que d'un côté, ça me ressemble. Il y a des similitudes. Et en plus, il fait intervenir sa psy, donc ça peut aider certaines personnes. Je vais faire un débrief aussi sur mes crêpes. Celles en salé, elles étaient super bonnes. Disons que moi, j'ai jamais été fan des crêpes, celles qu'on achète au frais, ouais. Mais au surgelé, je les trouvais dégueu. Et voilà, ma première, les crêpes sucrées, pour moi, il n'y a pas trop de changement. Et là, il y a mon pionce. Vous voyez la dégaine. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!